Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Servante, moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Voilà, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre Job 19. Et nous allons lire le verset 25. Alléluia, le verset 25. Amen. Voilà, nous allons, voilà, le verset 25 qui dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur est tout-puissant, notre Seigneur est merveilleux. Il est le Dieu suprême, il est notre bannière, il est notre roi, il est notre Rédempteur, il est Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ ne permettra pas que l'ennemi ait le pouvoir sur toi. Alléluia. Que tous ces pouvoirs maléfiques, ces pouvoirs démoniaques, ces pouvoirs d'envoûtement, que tous ces pouvoirs-là soient brûlés dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions pour nos autorités et il faut les faire, il faut les soutenir. Il faut soutenir le président Gbagbo, voilà, qui n'est pas trop en forme. Il faut l'aider dans la prière. Je vous ai dit que il faut prendre il faut prendre 5 jours de jeûne tous les mois ou tous les 15 jours et 5 jours de 5 minutes de prière, voilà, 5 minutes de prière par jour pour le président Gbagbo. Vous voyez, voilà, le Seigneur travaille dans la vie de nos autorités. Le président Bédié, le président Alassane et toutes les autorités, c'est Dieu qui les a établies. Il faut les soutenir dans la prière. Et il faut prier aussi pour les frères et sœurs en Christ. Il faut prier pour l'Église. Il faut prier pour tout le monde. Alléluia. Il faut prier pour que le Seigneur donne la vie, la guérison à ses enfants. Il faut prier pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut prier pour que l'évangélisation avance, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, mais souvenons-nous du président Gbagbo. Voilà, il a 5 minutes de prière avec nous tous les jours, et tous les 15 jours, il faut prendre 5 jours de prière, tous les 15 jours ou tous les mois, voilà, si tu ne peux pas le faire, mais tu peux prier. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Il faut prier pour nos autorités. Il faut prier pour qu'ils soient bénis et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Alléluia, il faut prier aussi pour les foyers chrétiens. Il faut prier pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut prier. Alléluia, il faut pardonner et il faut prier. Prie pour les autorités. Alléluia, c'est le Seigneur qui les a établis, ils ont besoin de prière, alléluia, et qu'ils se convertissent, alléluia. Le président Alassane était catholique, mais maintenant il est devenu musulman. Il faut prier pour qu'il revienne à l'église catholique, alléluia. Voilà, il faut prier pour nos frères et sœurs, il faut prier pour la mission. Voilà, nous avons nos frères et sœurs qui sont missionnaires dans les autres pays, il faut les soutenir dans la prière, il faut fléchir les genoux, il faut prier aussi pour les orphelins, les veuves, il faut prier pour tous les enfants de la rue, il faut prier pour les pays en guerre, il faut prier pour les voisins, les parents qui sont pas encore convertis, il faut prier pour que l'œuvre avance, il faut prier pour l'Église, il faut prier pour les malades, les paralytiques, il faut prier pour les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite, il faut prier pour eux, il faut prier pour les femmes enceintes, les femmes qui vont accoucher, il faut prier pour que aussi l'œuvre de Dieu avance dans les pays islamiques, il faut prier, alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, alléluia, il faut prier parce que le diable ne baisse pas les bras, hein. Voilà, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui
fille dévorera, que ça ne sauve pas toi ni tes enfants, alléluia, qui n'entrent pas chez toi, alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni dans ta vie, toi qui m'écoutes, je dis de prier pour le président Gbagbo jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli, et il faut prier aussi pour nous, alléluia, il faut prier pour tous les chrétiens, il faut prier pour les foyers chrétiens, il faut prier pour tout le monde, pour nos frères et sœurs qui sont dans des problèmes, qui ont des difficultés, il faut les soutenir dans la prière. Il faut soutenir aussi les orphelins. Vous voyez, la fête approche. Le mois prochain, c'est la Noël, c'est la fête de l'an et tout et tout. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous avons besoin de prière. Nos autorités ont besoin de prière. Il faut soutenir le président Gbagbo. Voilà, il faut beaucoup prier pour lui. Alléluia. Que le Seigneur visite son serviteur. Que le Seigneur, le feu du Saint-Esprit brûle toute maladie dans son corps. Que le sang de Jésus soit perfusé dans son corps, dans son sang. Alléluia. Que tous ces esprits de destruction, tous ces poisons, tous ces enflures, que tout soit brûlé. Incendie toutes ces puissances mystiques, les puissances des ténèbres. Il faut prier pour lui qu'il soit bien portant comme le président Bédié. Voilà, parce que le président Bédié, je crois, il est bien portant à le voir, il est bien portant à ma connaissance. Voilà, il faut prier pour toutes nos autorités. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, c'est forcément. Vous voyez, nous allons terminer par la prière. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Prions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci de guérir le président Gbagbo. Merci de guérir toutes nos autorités qui sont malades. Merci de bénir ton église, de bénir tes enfants. Seigneur, merci de nous aider, éternel, afin que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir.